c'est l'idée de l'éditeur qui m'a suggéré le principe et avec lequel on convient régulièrement du thème. Et ensuite, j'élabore les personnages, les énigmes, l'univers. Mais au départ, c'est l'idée de l'éditeur. En fait, je gère les situations. J'ai 15 coupables, 15 personnages, 15 indices. Donc j'ai un tableau Excel, tout simplement. Je rentre mes données et je fais des combinaisons. Et grâce à ce tableau qui me fournit un appui visuel, j'imagine des énigmes qui évoluent avec des fils directeurs. Elles sont indépendantes chacune, mais j'essaie de faire en sorte qu'il y ait des intrigues quand même qui évoluent au fur et à mesure et qui se concluent dans la toute dernière histoire. Je travaille en fait à distance, comme souvent, et je reçois moi de la part d'illustrateurs, enfin via l'éditeur, je reçois les crayonnés, etc. On les regarde, on les commente, on les modifie le cas échéant. Et ça repart, et ensuite l'objet, après il y a le BAT final, etc. Mais voilà, ça se passe à distance. Est-ce que j'ai donc d'autres projets personnels? Oui, avec d'autres éditeurs éventuellement, ou j'écris moi-même, j'ai mes propres idées, je développe moi-même mes propres romans par ailleurs. Et sur les livres-jeux, oui, on a quelques projets en discussion, mais qui pour le moment ne sont pas aboutis. Alors c'est difficile de répondre à ça. Je pense probablement, enfin la première idée qui vient, ça serait D'Artagnan, même si c'est de la littérature jeunesse un peu ancienne, parce que ça m'a beaucoup marqué quand j'étais enfant. Et par exemple, en ce moment, j'écris une série qui se passe au début du XVIIe siècle, dans l'univers des mousquetaires, et qui est ce sont mes trois mousquetaires à moi finalement. Donc c'est un personnage que j'aime beaucoup. Alors disons D'Artagnan.